Le dispositif De Vive Voix est un dispositif qui associe le théâtre d'Aurillac et la médiathèque communautaire du bassin d'Aurillac autour d'une valorisation de la littérature et des écrivains contemporains. C'est un dispositif que l'on inaugure ce soir au Muséum des Volcans et qui prend la suite d'un partenariat médiathèque du bassin d'Aurillac et théâtre de la ville d'Aurillac, partenariat qui s'intitulait « À pages ouvertes » et qui existait depuis 1998. Nous l'avons appelé « De Vive Voix »,« Vive au pluriel » de façon tout à fait délibérée. C'était une volonté de faire parler aussi les auteurs ou les créateurs en lien avec l'écriture, en lien avec le texte, en lien avec la création contemporaine. Donc les inviter à intervenir à Aurillac, dans des lieux différents, pour dire leur texte, lire leur texte, mais aussi parler de leur texte. Il y a une dimension, on veut faire entendre la création contemporaine, mais on veut donner aux gens la chance de pouvoir entrer un petit peu dans l'atelier de travail de l'écrivain, du dramaturge, peut-être du cinéaste, de l'auteur BD. C'est Frédéric Serrager et Julien Segura qui sont venus me voir, qui m'ont parlé de ce concept, un petit peu de changer le mode de présentation au public des lectures à Aurillac. Et voilà, et nous on était très partants d'accueillir cette expérience ici pour voir ce que ça pouvait donner, quel type de public aussi pouvait accrocher avec cette proposition. Voilà, c'était aussi de faire découvrir le muséum sous un autre jour et puis de pouvoir bénéficier des apports des uns et des autres. Et malgré tous les flics du pays à ses trousses, malgré le manque de sa sœur, le manque de Béatrice, le manque d'humanité, il avançait parce que la frontière était proche. Il y aurait de l'eau, des gens qui ne parlaient pas la même langue que lui, qui ne sauraient rien de ce type infâme qui puait par tous les pores de sa peau dégueulasse. Dans le cadre du projet globalement du Théâtre d'Aurillac, on a énormément de partenariats, de travail collaboratif, ça fait partie de l'ADN de l'équipement et de son travail d'ouverture à différents publics. Donc ça veut dire un travail collaboratif, une co-construction des actions et donc la mobilisation possible d'espace spécifique et du public et des usagers de ces différents espaces. On observe qu'effectivement, il y a une circulation des publics. Certains publics utilisent plusieurs équipements culturels. D'autres ont vraiment des modes, on va dire, de consommation ou de comportement qui sont plus spécifiques. Là, c'est l'occasion de faire se croiser les gens. Là, nous avions la volonté d'investir les champs de la littérature de l'imaginaire, et notamment la littérature horrifique, de frissons, fantastique. Nous avions pensé, avec Julien Segura de la médiathèque communautaire, à Cécile Coulon, dont nous suivions le travail depuis quelque temps. On m'a proposé de parler des littératures horrifiques, de l'angoisse, du fantastique, et ça faisait un moment que c'était des littératures qui m'inspiraient beaucoup, et d'avoir le choix des textes, le choix des lieux, le choix des ambiances pour une soirée avec les gens, c'était vraiment un beau cadeau pour moi. Et aussi parce que ça se passait à Aurillac, ça se passait en Auvergne, et pour moi c'est hyper important de défendre ce territoire-là dans cette forme-là. On s'est rencontrés pour en parler, mais en fait ils m'ont quand même laissé une liberté absolue sur ce que j'avais envie de lire, en tout cas de faire lire par Dorian Sauvage qui va m'accompagner pendant toute la soirée. Et en fait je suis vraiment allée chercher ce qui, moi, m'avait inspiré le plus de terreur quand j'étais enfant et adolescente. Donc c'était en particulier les textes de Stephen King et de Lovecraft. Et on a rajouté avec ces textes-là certains passages de mes romans, du Cœur du Pélican et du Roi n'a pas sommeil, qui étaient vraiment noirs et qui étaient vraiment inquiétants. On a déjà travaillé ensemble avec Dorian sur une lecture autour des textes de Bukowski. Ça s'était extrêmement bien passé. Et j'avais aussi cette envie de voir ailleurs, c'est-à-dire de multiplier les formes d'intervention, de multiplier la façon de donner le texte aux gens, de donner le texte au public. Et je trouve que entendre le texte lu par quelqu'un dont c'est le métier, c'est aussi une très belle façon de rentrer dans les personnages, de rentrer dans l'atmosphère, surtout quand il s'agit de littérature fantastique.